La colonisation débute naturellement par le système Sol, plus connu sous le nom de système solaire. Grâce à la découverte de la fusion nucléaire et de nouveaux alliages résistants aux radiations solaires, l'humanité se projette enfin dans l'espace. La Lune et Mars sont les premières colonies fixes, mais plusieurs stations sont bâties en orbite autour d'autres planètes et au sein de la ceinture d'astéroïdes. La Terre est surpeuplée et ses ressources quasiment épuisées. Les colons s'embarquent donc en grand nombre pour la vie spatiale. La Chine, l'Inde et les États-Unis s'approprient la plus grande part de Mars, pendant que l'Europe se concentre sur le développement de la colonie lunaire et de bases dans la ceinture d'astéroïdes. Les colonies sont avant tout des colonies minières et les colons sont exploités afin de rapporter autant de ressources que possible vers la planète bleue. Malgré de grandes difficultés ethniques, culturelles, religieuses ou politiques, un fort ressentiment naît à l'égard des pouvoirs politiques et économiques de la Terre. Les grèves et les révoltes se multiplient, forçant la présence d'un grand nombre de troupes terriennes afin de maintenir l'ordre. En quelques générations à peine, une identité se forge parmi les colons, identité à laquelle adhèrent très vite les nouveaux arrivants. L'étincelle se produit sur Mars. Pendant une énième révolte minière, la répression est violente et cause l'embrasement de toutes les autres colonies. La première guerre martienne vient de débuter. L'affrontement est un bain de sang. Malgré un désavantage technologique et structurel, les rebelles compensent leurs faiblesses par une volonté de fer et des techniques de guérilla qui prennent les terriens au dépourvu. Son approvisionnement en matières premières tarit, la Terre se voit contrainte de négocier. La séparation de Mars est actée et la planète rouge prend possession de pratiquement toutes les colonies situées au-delà de son orbite. Seuls Mercure, Vénus, la Lune et la ceinture d'astéroïdes restent dans le giron du pouvoir terrien. Ces colonies se sentent abandonnées et en conçoivent un fort ressentiment à l'égard de Mars. Dans les conflits suivants, les colons de la Lune ou des astéroïdes seront souvent les anti-martiens, les plus fanatiques. Suite à ce premier conflit, la Terre est tombée sous la coupe d'une dictature militaire, pendant que Mars expérimente un pouvoir totalement décentralisé, sorte de socialisme mêlé de démocratie participative. Les deux puissances se lancent dans une course à l'armement sans merci et sont prêtes pour le conflit suivant en quelques générations à peine. Cette fois, c'est l'espace qui est le théâtre des plus gros affrontements. D'imposantes flottes s'opposent pour le contrôle de la ceinture d'astéroïdes et des satellites de Jupiter grands pourvoyeurs de matières premières. Là encore, la flotte terrienne a tout d'abord le dessus, mais de violents conflits sociaux éclatent sur Terre, menaçant les fondations même du pouvoir militaire. Les troupes martiennes exsangues en profitent pour contre-attaquer et détruisent une grande partie de la flotte adverse. L'armistice est signé et Mars obtient le contrôle de la ceinture d'astéroïdes. Pendant que le pouvoir terrien, désormais déplacé sur la Lune, se débat avec d'importants troubles internes, des scientifiques martiens font une découverte qui propulse l'humanité dans une nouvelle ère. Non loin de l'orbite de Saturne est découverte la première singularité. Indétectable par des moyens conventionnels, la singularité semble confirmer de nombreuses théories, et notamment celle des troupes verts, wormhole. Il s'agit tout simplement d'un moyen rapide et sûr de naviguer entre systèmes solaires via un espace parallèle. Après plusieurs échecs, le moteur à singularité est créé, permettant de traverser sans danger. Une nouvelle ère d'exploration commence, alors que Mars envoie ses scientifiques, ses explorateurs et ses ingénieurs à l'assaut de nouveaux systèmes, la Terre profite de cette nouvelle colonisation pour se débarrasser de ses parias, des criminels et des fauteurs de troubles, ainsi que tous les individus avec des comportements déviants. Cette bande hétéroclite colonise bientôt plusieurs systèmes et découvre que les singularités s'enchaînent de manière régulière d'un système à l'autre. D'un côté, vers les nébuleuses d'Orion et de Goum, de l'autre, vers le nuage moléculaire W51. Plusieurs planètes sont terraformées et colonisées, pendant que Mars et la Terre, Lune, sont prises dans une série de conflits internes. Les nouvelles colonies se développent à vitesse grand V, tant au niveau social, économique que technologique et scientifique. Bientôt, certaines planètes hors du système Sol
ont une influence et une puissance comparables à la planète rouge et à la planète bleue, qui stagnent dans un immuable conflit larvé. Si la dictature militaire en poste sur la Lune et la Terre a accru son emprise sur sa population, elle ne fait aucun doute sur ses chances en cas de nouveau conflit avec Mars. Sa stratégie est donc uniquement défensive. Son économie est exsangue. Sa technologie dépassée et sa propagande montrent des signes de faiblesse. Pourtant, nul ne sait réellement ce qui provoque la troisième guerre martienne. Certains parlent de l'attaque d'une flotte terrienne par l'un des satellites de Jupiter, d'autres d'attentats des services secrets martiens visant le centre de gouvernement sur la Lune. Beaucoup pensent que ce dernier conflit était inévitable. Ce qui est connu de tous, par contre, est sa conclusion. Après des années d'affrontements, les forces martiennes prennent le contrôle de la Lune et de là lancent un bombardement nucléaire de la Terre. La plupart des colonies ont conservé leur neutralité pendant ce troisième conflit, mais la vitrification de la planète bleue est une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Les gouverneurs des différentes colonies se réunissent et déclarent l'instauration de l'Union des planètes fédérées. Les forces de l'UPF convergent vers la singularité de Saturne. Et alors que l'état-major martien célèbre encore sa victoire, la plus grande flotte spatiale jamais réunie déclare un embargo total de la planète rouge. Mars reçoit un ultimatum. Toutes les forces martiennes doivent déposer les armes et la planète rouge doit accepter d'être démilitarisée et privée de son statut, mise sous tutelle de l'UPF. Plusieurs amiraux refusent l'ultimatum et cherchent à briser l'embargo. Leurs flottes sont anéanties sans aucune pitié. Le gouvernement martien comprend alors enfin l'évidence. Mars et la Terre sont devenus des puissances satellites d'une humanité qui occupe désormais plus d'une centaine de systèmes solaires, avec des bases ou des stations d'exploration dans plusieurs centaines d'autres systèmes. L'issue est inévitable. Le système Sol est mis sous tutelle de l'UPF. Mars et la Terre, ou ce qu'il en reste, et la Lune reçoivent l'interdiction formelle de former des flottes de combat ou des armées. Sol est un système périphérique, sur le bras d'Orion, qu'a en partie colonisé l'humanité. Rigel, Deneb, Betelgeuse, Polaris ou Antares sont les nouveaux centres de la civilisation humaine qui s'étend sur plus de 3000 années-lumière. L'UPF est une union hétéroclite, une fédération relativement lâche qui assure tant bien que mal la sécurité et la prospérité de la population. Son principal atout est son contrôle sans faille de la flotte de guerre humaine qui lui est férocement loyale suite aux événements de la Troisième Guerre martienne. Mais si les actes et édits des gouvernements centraux restent aisément contrôlables, les gouverneurs ou barons locaux des systèmes plus reculés n'hésitent pas à user de moyens moins démocratiques et moins consensuels pour asseoir leur pouvoir et achètent parfois le silence des représentants de l'UPF. De plus, l'humanité est à nouveau dans sa transition vers une nouvelle ère. En explorant W51, au croisement des bras d'Orion et de Jupiter, elle a découvert une mégastructure construite par une intelligence extraterrestre, la station Omega, et c'est le temps du premier contact. Vous êtes tous embarqués dans le Shenyang. C'est un paquebot à la base de plaisance qui a été modifié pour être en fait le premier vaisseau colonisateur pour aller justement sur la station Omega. Alors vous n'êtes pas ce n'est pas le premier vaisseau qui y va, vu qu'il y a déjà eu des vaisseaux qui ont déjà fait des allers-retours, mais là maintenant que les extraterrestres ont réussi à créer un traducteur universel permettent justement de pouvoir vraiment prendre pied sur la station Omega. Et donc vous avez été tirés au sort, choisis tous pour faire partie de cette colonisation, de cette délégation, sachant que le Shenyang est un bâtiment finalement qui fait 1500 mètres. Il y a 300 membres d'équipage pour environ 1200 personnes à l'intérieur même qui vont justement pour coloniser la station Omega avec une escorte
puisque le Shenyang n'a pas d'armes hein, à son bord. Hein. Et donc, il y a une escorte hein, qui va être là aussi pour dire de les règles vis-à-vis de la station Oméga, règles qui avaient été établies par les extraterrestres, hein, où chaque race ramène des vaisseaux de combat en cas d'éventuelles attaques ou autres sur la station éventuellement. Et nous découvrons cet énorme bâtiment alors que nous entrons déjà par dans le cockpit. Cockpit qui est assez grand, hein, une grande salle hein, où nous avons justement l'amiral qui est aux commandes. Hein. C'est, je dirais, personne de l'UPF hein, qui est en charge de cette expédition. Donne ses ordres, hein, entre autres, au pilote du Shenyang. Et nous avons également le copilote hein, qui est à ses côtés, Yego Kagawa, que je vais laisser se présenter. Donc Yego Kagawa, taille moyenne, âge moyen, disons 25-30 ans, tient un peu la tronche. Sûrement parce que des fois il peut râler en messe basse parce que bon il est là mais un peu contrarié, un peu choisi, sans que lui peut-être le désire. À quoi il ressemble, bah, vous voyez l'image, donc ouais, il est rasé un peu sur le côté, il a les cheveux plus longs sur le côté droit qu'on ne voit pas sur l'image. On pourrait croire qu'il a une petite carrure par rapport justement à cette image, mais pas vraiment, c'est plutôt fin, plutôt maigre. Donc pas très enjoué, hein, toujours un regard un peu sombre. Certains se demandent même si c'est ce qu'il nous a vu sourire ou même rigoler. Et dès que l'amiral peut parfois donner des petits discours ou quoi, que les gens peut-être applaudissent derrière, lui c'est plutôt je dois le faire. Enfin, il n'y a pas d'enthousiasme. Très bien, merci. Pas très loin justement hein, de ce cockpit de commande, hein, nous avons une petite salle de briefing où finalement l'ambassadeur, choisi par l'UPF, hein, se tient à l'intérieur en train de discuter. L'ambassadeur hein, qui se nomme Krik SM, quelqu'un de très jovial, il a vraiment un visage avenant, en train de discuter avec une personne un peu plus jeune, peut-être un visage un petit peu plus sévère, peut-être un peu plus sérieux, hein. Alcyon Kael, que je vais laisser se présenter. Donc Alcyon Kael, qui a lui aussi 25 ans, mais qui a l'air plus vieux. Il est assez grand, il fait un peu plus d'1m85. À peu près 80 kilos. Effectivement, il écoute avec attention l'ambassadeur. Durant son voyage au vaisseau, il a l'air il est sérieux, mais il est aussi assez empathique, prêt à écouter les gens, conscient de son environnement. Il ne manque pas de respect aux personnes, mais il ne va pas discuter pendant des heures, etc. Il fait beaucoup son travail, il est très investi là-dedans. Peut-être un peu stressé et à la fois enthousiaste. Vous l'avez peut-être vu déjà faire un peu de musique tout seul sur une sorte de, je sais pas, d'ordinateur synthétique qui reproduit le son d'un piano. Voilà, il aime beaucoup faire ça pour se relaxer, mais il est très très concentré dans son travail, peut-être un peu plus stressé que l'ambassadeur en chef, conscient du rôle qu'ils incarnent, de l'enjeu de ce premier contact. Jouxtant finalement cette petite salle de briefing, hein, nous retrouvons Ugosim Aizi, qui est la chef de la sécurité de l'ambassadeur, hein, en train de... Elle est assez jeune pour son poste, hein, mais a priori, ses états de service hein, ne laissent aucun doute sur sa présence sur le vaisseau. Elle est en train de discuter avec un homme assez jeune, hein, Ethan White, qui se tient debout devant elle. Du coup, le sergent Wyatt, un garçon d'une bonne vingtaine d'années, typé caucasien, est très fort, cependant une légère barbe de quelques jours. Il se laisse un petit peu aller depuis quelques temps, puisqu'il a un peu. C'est sa première fois qu'il fait une mission qui est potentiellement aussi longue, qui se retrouve un peu loin de là où il a l'habitude d'opérer. C'est quelqu'un d'entraîné, donc ça se voit physiquement, quelqu'un de physiquement plutôt, plutôt fort, plutôt athlétique. Que dire d'autre, il est légèrement stressé, ça peut se sentir parce qu'il a tendance à mettre sa main dans sa poche et à chercher quelque chose toutes les 5 minutes à peu près, mais on peut tout de même voir un certain professionnalisme dans sa manière d'agir, dans sa manière de répondre justement à Ugosim qui est face à lui. On sent aussi
une formation militaire, hein, de par sa posture également, j'imagine. Donc, en train de discuter justement, hein, et quelques niveaux en dessous, nous arrivons dans l'infirmerie, le petit hôpital, hein, que nous avons justement sur le Shenyang, hein, qui a été mis en place, hein, et qui a été agrandi un petit peu, puisqu'à la base il n'était pas forcément aussi grand, hein, dirigé par le docteur Karine Chakwas, qui dirige justement ce petit hôpital, hein, et en train de discuter avec une médecin un peu plus jeune, hein, Raven Matsumoto. Eh bien, Raven Matsumoto est une jeune médecin de 25 ans qui est plutôt fébrile quant à l'objectif de son voyage et qui s'occupe à l'infirmerie pour le moment avec le docteur Chakwas, qu'elle connaît très bien. Oui, vous avez déjà eu l'occasion de faire quelques missions ensemble, hein, faire quelques J'ai fait mon trucs ensemble, et internat c'est auprès d'ailleurs pour d'elle. ça que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle t'avait sélectionné pour faire partie de cette expédition à bord du Shenyang. Tout à l'arrière du vaisseau, dans la salle des machines, hein, là où justement doivent s'occuper les techniciens, hein, plusieurs, hein, évidemment, hein, sous la charge finalement de l'ingénieur, hein, l'ingénieur en chef, Adam Scraig, assez jovial, hein, c'est quelqu'un d'assez sympathique, hein. Et donc il est en train de discuter justement avec l'un de ses techniciens sur place, hein, lui demandant un petit peu leur rapport par rapport au rendement des moteurs, hein, à savoir Clyde Under. Donc Clyde Under, aussi connu sous le nom de CRS pour ses collègues, un homme de 31 ans. Relativement assez passe-partout aux premiers abords, les cheveux souvent coupés courts, une barbe qui est souvent taillée plus à l'arrache que proprement. Il a l'air assez énervé, peut-être un peu sur ses gardes tout le temps. Il a des phases où il paraît presque normal et de moments où il semble jeter des petits regards un peu à droite à gauche, ce qui met un peu en valeur qu'il a souvent l'air un peu fatigué. Surtout qu'en fin de compte, si on starte sa silhouette, on voit qu'il est finalement assez fin. Pas très épais, on sent qu'il y a peut-être un léger manque physique. À côté de ça, c'est quelqu'un de très adroit de ses mains et très compétent dans son domaine, puisqu'il s'agit d'un technicien, presque d'un ingénieur, diront certains, spécialisé dans l'entretien, la gestion des moteurs et des générateurs spatiaux, formé spécifiquement pour ça. C'est quelqu'un d'assez assez sobre au quotidien, mais qui peut, si la situation le permet et les rapports tout autant, être quelqu'un d'assez assez sympa. Pas exubérant, pas particulièrement jovial, mais quelqu'un de fiable. Quant aux origines de Clyde, c'est des origines a priori occidentales, européennes. Ouais, caucasienne. C'est ça, caucasienne, je sais pas. Et donc, Alcyon, toi, donc, tu étais en train de discuter avec l'ambassadeur. Hein. Mon petit Alcyon, que diriez-vous si ce soir nous invitions quelques personnes à ma table? C'est une judicieuse idée. Je pense que nous présenter à tout le monde serait judicieux et nous permettrait d'avoir des liens plus profonds que le professionnel que nous entretenons, afin de fidéliser oui. tout le monde. Je pense que c'est important, hein, puisque nous allons quand même être les premiers représentants de la race humaine à prendre contact, à vraiment prendre pied sur la station Oméga. Et il est important que l'humanité soit soudée dans ces moments. Je veillerai à vous épauler humblement. Ah, merci beaucoup, merci. Et donc, l'ambassadeur commence à tapoter, hein, sur son terminal de communication, hein, et dans un premier temps, il contacte le docteur Chakwas. Karine, vous et votre interne, je ne connais pas le terme exact, hein, je vous invite à ma table ce soir pour dîner. Et donc elle répond, ah oui, avec plaisir, donc nous nous retrouverons ce soir. Et donc, raccroche, hein, et docteur Chakwas, hein, se tourne vers toi. Docteur Matsumoto? Oui. Ce soir, nous sommes invités à la table de l'ambassadeur. D'accord. Ce n'est pas négociable. Compris. Ensuite, l'ambassadeur m'appelle
Hugo Sim à ici. Et pareil, il lui fait la même invitation. Hein, et donc, ta chef te dit, hein, Ethan, que vous allez être invité à la table de l'ambassadeur ce soir. Pour que c'est une bonne idée. Ce sera plus facile pour la protection. Est-ce qu'il faut venir à mai? Prenez votre pistolet laser comme à l'habitude. Je me posterai à l'entrée afin de sécuriser. Pas de problème. Bon, vous serez assis avec nous. C'est une demande de l'ambassadeur. Nous ne pouvons guère refuser. Tu sens un petit peu de stress d'un coup. Pareil, hein. Alors c'est vrai que je vous avais pas donné son nom hein, au pilote, hein, Hogan Michael, qui se fait appeler également par l'ambassadeur. Hein. Il dit « Ce soir, vous et votre copilote, vous serez invités à ma table. » Il semble un peu surpris. « Très bien, monsieur l'ambassadeur. » Et t'as entendu hein, la communication parce que t'es juste à côté. Hein, ouais, moi, dès que j'entends ça, je lui fais. Diego, bah écoute, je sais, mais bon, hein, on peut difficilement refuser l'invitation de l'ambassadeur. Ouais, je vais y aller parce que tu y vas. Hein. On sera ensemble. Je pense que voilà. Alors, c'est sûr que si il y a l'ambassadeur et puis son diplomate là. C'est sûr qu'on va pas se passer une super soirée, hein, parce que... Au moins, l'ambassadeur est sympa, mais bon, sur sourire, là... Je n'en parle pas, de toute façon. Je répondrai juste par politesse, hein, comme d'homme, je sais pas. Ça m'intéresse pas, quoi, j'ai rien à leur dire. Ouais, bon, on verra bien. Okay. De ton côté, pareil, hein, il appelle ensuite l'ingénieur Greg, hein, pour lui dire qu'il est invité, donc il se tourne après vers toi. Clyde. Ce soir, on mange à la table de l'ambassadeur. Bah, on va bien manger. Ok. Ah bah, écoute, ça se refuse pas. D'ailleurs, t'as été à l'infirmerie? Ouais, c'est bon, je suis passé. Ok, ça marche. Et donc, nous allons... Oui? Moi, au niveau de l'ambassadeur, devrions-nous inviter le capitaine? L'amiral. L'amiral. Écoutez, je pense que... L'amiral, si le souvenir, il viendra. Vous savez comment il est. Souhaitez-vous que j'agence les placements? Si cela vous arrange, oui. Je sais que vous mettez un point, ce genre de détail qui m'ennuie, mais faites donc. Hein, petit Alcyon. Je veillerai à faire les placements. Oui, oui. Et donc, à moins que vous vouliez faire quelque chose en particulier... Nous allons ellipser jusqu'au soir, justement, hein, où vous arrivez dans... Alors, c'est le restaurant. Alors, c'est vrai que pour la plupart, vous êtes plutôt au niveau des messes, hein, habituellement. Mais là, vous êtes vraiment... vous arrivez dans un très beau restaurant hein, qui, finalement, date un peu de quand le Shenyang était dans un bâtiment de plaisance. Ah oui. Voilà, hein. Timor, oui. Et avec justement un petit groupe de musique qui était en train de jouer. L'ambiance est vraiment totalement différente hein, dans cette partie du vaisseau. Et l'ambassadeur déjà assis à sa table quand vous arrivez. Donc dans un premier temps, nous avons Ethan ainsi que Hugo Sim qui sont là. Hein, très professionnel. Sur le coup, je regarde les sorties, les entrées. Tu vois que elle a assez pareil, hein, donc elle se tient hein, au repos et puis elle, Monsieur l'ambassadeur, et elle lui fait un salut militaire. Monsieur. Oubliez ça un petit peu. Hein, vous êtes un petit peu trop carré, vous à chaque fois. Bon, mon petit Alcyon, alors où est-ce qu'il s'installe? Il a fait un petit plan de table. Près de vous, ambassadeur, justement, pour veiller. Écoutez, allez-y, installez-vous. Hein, Je place c'est quoi son titre à la dame? Elle est, c'est la chef de la sécurité. Donc, la chef de sécurité non loin de... Enfin, juste à côté de, comment ça s'appelle, de l'ambassadeur. Mm-hmm. Et Ethan juste après. Et il y aura une place à la gauche de l'ambassadeur. Ce sera la place d'honneur de l'amiral s'il souhaite venir. Ok. Arrive aussi alors que
Ethan et Hugo Sim sont en train de s'installer. Hein, le docteur Chakwas, hein, accompagné du docteur Matsumoto. Donc, vous voyez, le docteur Chakwas qui fait Creek, Karine. Je crois que vous ne connaissez pas le docteur Matsumoto. En effet, il se lève hein, pour te saluer. Enchanté. Alcyon, votre plan de table, enfin, vous pouvez accueillir... Oui. Elles sont disposées à votre gauche, après l'amiral. Donc je vous montre les places, si vous me permettez. Je m'installe. Vous vous installez, et arrive à peu près en même temps, justement, hein, quatre personnes. Hein, donc le pilote, Hogan Michael, ainsi que Yego Kagawa. Il semble pas très à l'aise d'être ici. Hein, J'ai les bras croisés comme ça, j'avance comme ça déjà et je me pose là ouais, en arrivant. Je regarde tout le monde. Je refais un. Alors Michael qui est un peu plus bonjour. Vous voyez que lui non plus n'a jamais été militaire ou autre, hein, donc il sait pas trop comment se présenter. Et puis l'ambassadeur qui vous fait vous installer après avoir demandé à Alcyon. Le plan de table de nouveau. Juste à côté de Ethan Wyatt. Donc vous vous installez. Et je demande en même temps au serveur un petit verre pour eux, genre un alcool, pour les détendre. Ok. Et arrive également juste après Clyde ainsi que Adams. Pareil, pas très très à l'aise. Hein, mais bon, Adams qui est là en se disant qu'il va pouvoir bien manger pour une fois. Hein, ça va être autre chose que les nourritures boostées aux vitamines. Qu'on peut avoir en bas. Alors propose un petit verre aussi pour les détendre. Ah, je balaye, me présente hein, évidemment. Hein, moi je dis Alcyon Kyle. Hein. Je vous prie à côté de Raven Matsumoto et de la médecin en chef. Ok bah. Je mets le mec avec la bonhomie pas loin de Raven. Moi je te salue simple de tête. Pareil je te sers un verre enfin je t'apporte. Je balaye à peu près l'assemblée ici présente et quand je repère les deux membres de la sécurité et nos deux amis Karine et Raven, comme si d'un coup je me rassénère en fait. Je suis plus serein, plus zen. Mmh, ouais. Bah, c'est vrai que tu les connais, tu connais les deux médecins, donc c'est plutôt le docteur Chakwas qui suit ton dossier. Mais c'est vrai qu'il t'est arrivé en fin de compte d'avoir affaire avec le docteur Matsumoto. Enfin, un bon signe de tête quand je les vois. En résumé, en fait, si on est Ethan et moi à droite et eux à gauche, ou c'est l'inverse ? Alors vous êtes à droite, à côté des de la sécurité. D'accord. Donc à côté de Wyatt et la chef de la sécurité, juste à côté de l'ambassadeur. Et juste à gauche, il y a la place d'honneur qui est faite à l'amiral civil. Ah, il y a une place vide, ils sont encore plus loin, là, eux, d'accord. C'est ça, voilà. Ok. C'est juste une place vide, mais bon, qui est normalement pour l'instant, il n'a pas l'air d'être là, hein, et... Moi, jette un coup d'œil à Ethan. Est-ce que ça se voit que t'es stressé, en fait ? Oui. Alors que je te regarde, je fais juste un... Je ne te regarde pas, je continue de regarder droit devant moi et... je tape du coude le pilote. Attends, je crois une fois, moi aussi, oublié son prénom. Michael. Michael, ouais. Je tape du coude et je fais juste un signe de tête vers le pilote qui a l'air blanc comme... Je sais plus comment on dit l'expression, bref. Comme un linge. Comme un linge, ouais. Voilà. Merci. Et... L'ambassadeur qui claque des doigts hein, et on commence à vous servir un petit cocktail d'accueil. Donc, parce que chose d'assez pétillant, ça a l'air assez sucré. Vous sert ça et. Eh bien, je suis heureux de vous avoir à ma table ce soir. J'espère que nous allons passer une délicieuse soirée ensemble. Hein. Je trouve qu'il est important de nouer des liens entre les différentes personnes. Là, je bois. Hein, quand il parle, je bois. Je vois que certains ont soif, hein, et vous avez bien raison. Reservez-lui. Et il te reserve, les serveurs te reservent un verre, hein, et... à la colonisation. Et il lève son verre. Pareil. J'en bois, oui. Non, j'ai oublié de dire, juste pour la petite descrip, j'ai le costume qui va bien, des petites lunettes assez stylisées. Vraiment, il est fait pour ces soirées-là, quoi. Ah, moi je suis en schlac comme sur mon image. Ouais. Comme j'étais. Oui, pareil. Hein, ouais, que certains n'ont pas forcément fait d'efforts au niveau vestimentaire pour être là. Non, je suis en uniforme officiel.
J'ai pas ma combinaison, c'est la seule chose qui change d'habitude. Il a du cambouis jusque là, t'es sur les mains. j'ai une tenue du cambouis relativement propre, mais j'ai pas mon bleu de travail, j'ai pas ma combinaison, c'est déjà rare. C'est pas un moteur à charbon, hein, qui est oui, ben... On est plutôt la high-tech, hein, quand même. Ah, je suis pire, j'ai des brûlures. Au mécanisme d'antan, ouais. Et tu vois que l'ambassadeur se tourne vers toi, Clyde, et l'ingénieur en chef, hein. Alors, dites-moi, comment ça se passe au niveau des salles des machines Je te regarde d'abord mon chef. Même lui, il est surpris, il fait bah, « ça se passe bien, les moteurs ronronnent, et je pense que nous ne devrions pas tarder à arriver dans le secteur W51. Ah, j'avoue, j'ai hâte. Pas vous ?» Et se tourne vers vous tous. Ouais. Si. On peut dire ça. Écoutez, ça fonctionne. Comme dit mon chef, les générateurs sont opérationnels. On n'a pas eu de déphasage ou de perte de puissance. Jusque-là, les propulsions sont pareilles, vitesse de croisière. On espère juste qu'on n'ait pas d'urgence particulière. J'ai mes collègues qui font la veille pendant qu'on est là. Oui, j'imagine que... Voilà, il y a d'autres personnes quand même qui s'occupent en cas de soucis. N'allons pas errer dans l'espace sans arriver à Omega, rassurez-moi. Non, nous avons les routines automatiques qui tournent en cas d'alerte. On sera mis au courant rapidement si on n'intervient pas déjà avant. À moins qu'on ait des urgences et qu'il faille procéder à des manœuvres d'urgence, ça devrait tenir la route sans problème. Très bien, très bien. C'est quand même nos copilotes, hein. T'as l'air stressé, Clyde, quand tu parles ou pas? Enfin, certain de ce que tu dis. Je cherche souvent du regard, justement, Karine ou les gens de la sécurité. Régulièrement, j'ai des petits regards. Donc ça, je te regarde pas trop, ni toi, ni l'ambassadeur. Ouais. Des petits coups, petits gros regards, mais voilà, c'est pas à l'aise. Pas à l'aise. Tu vois qui lit dans ton âme. C'est un peu ça. Je regarde, genre. Mais oui, c'est vrai que, bon, les pilotes sont aussi importants, mais... Tous sont importants sur ce bâtiment, et sans l'implication de tous, nous ne pourrions jamais arriver sur Omega. J'acquiesce. N'est-ce pas, Monsieur Kagawa, hein, il me semble... C'est ça, ouais. Tu vois que je réponds juste à ce qu'il dit, puis je regarde ailleurs comme ça, je me gratte l'œil. Moi, je tout de suite, quand il y a ça, je veux vous refaire un verre, je regarde l'ambassadeur, histoire de... dériver un peu, genre... Oh, tu tombes bien, toi, oui, quand il me sort le verre, hop, je bois de Jane. Non, c'est pour l'ambassadeur. Ah d'accord, je fais ça à moi que tu me sers. Non. Quand tu lui as fait ça directement, il change la... Enfin, il tourne l'attention. Je vous resserre un coup, l'ambassadeur. Ouais, justement, il y a l'entrée qui arrive, hein. Et oui, c'est pour la plupart d'entre vous, hein, qui n'avaient pas l'habitude de ça, hein, en particulier bah, ceux qui peuvent provenir soit de la bordure extérieure, hein, ou peut-être qui ont des origines de l'espace, hein. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de mets, hein, qui était plutôt réservé à ceux du centre. Donc c'est assez impressionnant, hein, ce que vous pouvez avoir. Ah bah c'est pareil, dès que ça arrive, je dis ça au gars, je me dis c'est quoi ça? Je regarde ce qu'on a dans l'assiette là, j'étudie avec le bout de la fourchette. Bah, en équivalent, on pourrait dire que voilà, ils viennent de vous servir du foie gras en fait. Et tu vois, Michael, il fait, je sais pas, on dirait du pâté. Je vois trop le. Bah, c'est du pâté. Que bah, toi, Raven, bon bah, voilà, ça te choque un peu moins vu que. T'as connu ça, hein, du centre, voilà. Vous aviez des. Ah, c'est vrai que c'est pas. La préparation et tout ça, c'est vraiment de très bonne qualité. Ah, c'est très bon, mais. T'en as rien d'exceptionnel. Moi, Certains ont l'air d'être plus à l'aise, effectivement, que d'autres. Clyde, il observe un instant, puis dès qu'il voit les autres commencent à manger, il s'y met aussi. Vous voyez l'ambassadeur qui prend un petit toast, hein, puis il commence à mettre un morceau et puis à manger comme ça. Moi je mange ça comme du pâté, hein, je suis là. bon appétit. Hein.
Quand il commence à dire bon appétit, j'ai déjà terminé mon assiette et je continue le repérage. Ça marche. L'assiette est arrivée, il y a eu un gros flou. Il a pas l'air d'en prendre ombrage, hein, et puis souvent, bah, ils discutent beaucoup avec le docteur Chakwas, hein, tu vois qu'ils ont l'air de bien se connaître, hein, et ils discutent souvent ensemble. Donc après, vous pouvez discuter également entre vous, évidemment. Hein. Moi, je me tourne vers Raven. Dites-moi, qu'envisagez-vous de faire lorsque vous découvrirez cette multitude d'espèces xénomorphes? Étudier. Quoi d'autre? Y a-t-il? Je ne sais pas. Imaginez qu'ils nous partagent tout leur savoir médical, l'avancée incroyable que nous pourrions avoir. Vous seriez l'une des premières à tenter de comprendre des choses que nous ignorons encore aujourd'hui, qui pourra grandement nous aider à l'avenir contre des maladies, contre des problèmes génétiques. Ça a l'air passionnant. C'est un bel objectif. Je continue à manger. Je baisse un peu la tête, puis j'interviens un peu dans la discussion. Dites-moi, Alcyone. Oui. Monsieur, vous savez quels aliens nous allons rencontrer? À quoi ils ressemblent? J'ignore tout de cela. T'as entendu les noms, mais tu sais pas ouais. Plus, hein. Donc, tu sais qu'il y a 4 races qui vivent sur Omega. Les Timbris, les Libilis, les Knis et les Agon. Je vous dis ça. Je ne connais que les noms, mais de là à avoir leur aspect, je l'ignore. J'ignore même s'ils sont organiques. Mais on est prêt à côtoyer des extraterrestres comme ça. C'est là toute la question. On a de quoi anticiper des potentielles infections ou maladies qui pourraient apparaître. Là, je me retourne un peu plus vers Raven à ce moment-là. Je suis sûr qu'elle va vous rassurer. Je regarde Raven, genre... Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Hein. Vous êtes sûr qu'on peut fréquenter les aliens sans risque? Ils portent pas de maladies ou de genre de choses comme ça? J'en ai jamais rencontré. Je ne saurais pas vous dire. C'est le docteur Chakwas qui intervient. Selon les rapports, hein, un bras de la station Omega, en fait, hein, va être adapté justement pour l'humanité. Et la gravité même de la station est adaptée pour avoir une moyenne par rapport à toutes les races qui y vivent. Et selon les rapports, hein, elle serait d'à peu près de 0,96 fois la gravité terrestre. D'accord. Merci, docteur. De mon côté, je vois l'arme que porte le soldat à côté de moi. Je le regarde, je fais juste je crois qu'il y aura des trucs à désinguer ou on va... J'espère pas. Bof. Si on apprend autant de soldats et on apprend autant de sécu, c'est qu'à un moment donné, ils craignent aussi pour quelque chose, non? Tous ces... je me tourne vers les autres, là. Tous ces scientifiques, penseurs... Et je sais pas quoi, là. Si je me posais autant de questions, je pense que je serais réellement dans la merde en tant que soldat. Ah, j'avais oublié que les soldats, vous étiez un peu... limité dans la réflexion, hein. Les pilotes aussi, vous étiez plutôt... Oh, disons que si moi je peux se concentrer, mon petit, on finit vite à la renverse dans l'espace, hein. Je dis ça comme ça, c'était moi qui pilotais tout seul, tu vois, je suis vraiment en mode... J'ai un petit sourire narquois et je continue de regarder à droite à gauche. Par rapport au détachement justement militaire et à l'escorte, hein, qui est au niveau du Shenyang, là tu as des réponses, toi, Alcyone. Eh bien, je peux vous donner une réponse. D'après l'article 4, chaque membre du Conseil doit fournir un contingent de vaisseaux et d'équipage à l'amirauté, en fonction de ses moyens techniques et de personnel. Ce contingent est placé sous les ordres du Conseil, mais conserve toute autonomie en termes d'organisation interne. Merci. Bah ça, c'est les bouquins qui disent ça. Alors, là, c'est l'ambassadeur qui reprend. C'est la loi galactique, hein, que nous acceptons en posant le pied, en nous installant... sur Omega. Vous l'acceptez, je vais être un petit peu obligé, hein, et je redis ça en buvant un coup derrière. Eh bien, oui, sinon nous ne pourrions pas aller vers Omega, mais c'est justement le but de notre présence ici, c'est de pouvoir accéder à la station Omega, établir le contact avec ces xénomorphes et pouvoir justement avoir place au Conseil.
dire là est l'avenir de l'humanité, selon moi, vers le contact avec de nouvelles races. Pendant trop longtemps, peut-être l'humanité a été reclue sur elle-même. Et il est temps, maintenant, de tendre la main vers ces races qui nous l'attendent à eux. Également. Vous n'avez pas pensé au fait que peut-être c'est juste un moyen de nous attirer là où ils veulent et savoir où est-ce qu'on est et faire un peu ce qu'ils veulent de nous ? Pas pensé. Permettez-moi, ambassadeur. Je crois que nous avons suffisamment de personnes compétentes qui sont capables d'identifier tout cela. Nous avons des tacticiens, nous avons des philosophes, nous avons une pléthore de spécialistes bien plus qualifiés que ceux qui commencent leur métier pour envisager de tels problèmes. Vous n'êtes quand même pas dans la tête de ces gens-là. Hein. Vous avez beau calculer tout ce que vous voulez. Mais... Les meilleurs se sont investis afin d'envisager toutes ces possibilités. Et c'est pour ça que nous avons des personnes à bord, hein, telles que l'amiral, mais également Hugossi, mais Ethan, qui sont là justement pour notre sécurité à tous. Quand il dit ça, je regarde chacun à chaque fois et je fais « Ah, si vous le dites hein. !» Oh, je peux comprendre votre scepticisme. Nous verrons bien lorsque nous arriverons. Vous savez, Monsieur Kagawa, l'humanité n'a pas attendu de contacter des xénomorphes pour trouver des ennemis. Nous avons pendant longtemps réussi à le faire nous-mêmes. Et nous ne pouvons que sortir grandis d'une telle expédition, d'une telle colonisation. Ne pensez-vous pas ? Je pense surtout que toute l'humanité devra profiter de tout ça. Pas juste nous ici, ou les autres vaisseaux qui pourront arriver. Nous sommes les premiers. Mais évidemment, cela, ensuite, d'autres suivront. Nous sommes juste les premiers. Évidemment, nous ne serons pas les seuls. Et j'espère que toute l'humanité s'en trouvera grandie par ceci. J'acquiesce avec conviction. Ouais, on envoie le premier volet, mais on pense pas à mettre dans le tas d'autres moins qualifiés, ça pourrait servir, enfin bon. Mais il y a des gens qui ne font pas partie de l'équipage. Il y a des familles qui ont été sélectionnées, qui sont ici. Pas par mes soins, évidemment, des fois juste par des tirages au sort. Le hasard aussi a fait que des gens sont tout simplement là. Vous êtes là en tant que pilote, et je suis sûr que vous n'avez pas volé vos états de service, et que vous avez mérité votre place sur le Shenyang. Moi, je te regarde intensément quand il dit ça, Kagawa. Je sais pas si on a tous mérité d'être là, que ce soit pour nos capacités ou notre chance au tirage. Moi, je pense que si. Tout le monde a mérité d'être là. Oh, vous pensez de votre façon et je penserai de la mienne, alors. Mais c'est pour ça que nous débattons. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Sinon, justement, il n'y a pas de débat. C'est ça. Et je rebois un coup. Et je suis toujours content de pouvoir échanger avec quelqu'un qui n'est pas de mon point de vue. Pas forcément pour lui apposer le mien, mais pour comprendre aussi pourquoi vous avez ce point de vue. Avez-vous peut-être... peur ? Perdu foi en l'humanité ? Non, pas l'humanité. Ce qui dirige cette humanité, c'est tout. Ce qui pense décider pour tout le monde. Eh bien, il faut certaines fois quelques personnes. J'avoue que je suis personnellement, j'ai été désigné par l'UPF pour faire partie. Je pouffe quand il dit UPF. D'Omega. Et pourquoi vous ? Parce que beaucoup ont pensé que j'étais le plus désigné. Alors vous avez déjà entendu beaucoup parler de lui, hein, il a une très grande réputation. C'est quelqu'un qui a permis justement d'éviter de certaines fois des batailles, ou ainsi de suite, qui a permis de beaucoup arrondir les angles ou autre, hein, éviter des fois des massacres. C'est un très très bon diplomate, hein, de par sa manière d'être et ainsi de suite. Et il a souvent réussi à désamorcer des situations. Et vous avez pu voir souvent dans les news et ainsi de suite, hein, qu'on parlait de lui. C'est quelqu'un qui a une très bonne réputation. J'ai travaillé avec vous, ambassadeur, et j'ai vu ce que vous avez fait. Épargner des guerres sans utiliser d'armée, sans utiliser d'armes, juste en négociant. Si cela n'est pas une réussite pour l'humanité, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez amplement mérité tout ce que vous avez. Écoutez, je ne sais pas si je l'ai mérité, mais en tout cas, je prends tout ceci à cœur et je ferai en sorte que tout se passe au mieux pour l'humanité.
et que nous soyons égaux avec tous les xénomorphes que nous allons rencontrer. Et que, enfin, peut-être, l'humanité puisse se rassembler tous ensemble, sans conflit, et grandir ensemble. Sans conflit. Vous êtes sûr de vous ? Évidemment. Non, je ne suis pas sûr. Mais si je n'étais pas un peu utopiste, je serais peut-être trop pessimiste pour ce poste. Regarde dans le coin Kagawa quand il dit pessimiste. Après, je peux comprendre peut-être certaines réticences et puis certaines appréhensions par rapport à tout ça. Et c'est tout à fait normal. Nous allons vers l'inconnu, mais nous y allons tous ensemble. Et je reste persuadé que tout ceci sera bénéfique pour tout le monde. En tout cas, c'est ma conviction. C'est pas mon personnage qui parle, hein, mais je pense que Hogan, il voit que Yego, il a l'air enchérir, mais il me connaît, il me tape le bras, il me fait genre, ça sert à rien. Moi, je fais juste un... Ouais, ben on verra bien, et je rebois un coup. Il pose la main, en fait, compte, hein, sur... Ouais, genre, il sait que je peux m'énerver en 2 secondes, là. il pose la main, en fait, compte, hein, qu'est-ce que tu penses du... Tu as goûté le vin, Yego? Reprends un verre, mon ami. Ouais, je me reconcentre sur lui direct parce qu'il me connaît. Ouais, donc, ouais, je fais, ouais. Ceux du centre, finalement, c'est vrai que vous avez grandi dans l'UPF, vous connaissez quasiment que ça. Et pour vous, bah, je dirais que c'est quelque chose de tout à fait normal. Ceux des bordures extérieures ou de l'espace, bah, beaucoup moins, parce que vous n'avez pas, pas grandi sous l'influence de l'UPF. Mais plutôt l'influence de barons locaux, de pègres peut-être même locales dans les systèmes que vous avez pu vivre. Donc forcément, l'ambiance y est un petit peu différente. Donc j'ai bien l'UPF en pin. J'ai un badge aussi sur la veste. Je retiens qui a réagi quand j'ai parlé. Donc j'ai remarqué Graven où elle avait pris part, mais Ethan, t'as pas sourcillé de toute la conversation ou t'as... Pas particulièrement. Non. Et là, vous voyez deux signes. Très focus en fait sur la salle. Vous voyez très professionnel en fin de compte et toujours en train de tout observer. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, je suis en train de regarder. C'est un peu comme ça, Ethan. je le regarde justement, je lui fais. Bah, bois un coup, grand. Je regarde son verre dans lui. Qui a l'air un peu palou et stressé. Ça ira. Faut lâcher un peu. Hein. Et je bois le mien encore une fois. Je commence à picoler là, moi, par contre. Hein. Et que dès que c'est vide, je fais un signe. Ouais, bah, à chaque fois, on te resserre. Hein. T'as des serveurs qui sont jamais loin et puis qui sont là pour resservir, justement. C'est vrai que le repas continue alors que vous discutez. Hein, on vous amène ensuite le plat de résistance. Hein, c'est beaucoup de légumes. Il y a un petit peu de viande, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est autant les légumes, on arrive à faire pousser ça, mais la viande, bah, c'est souvent en fin de compte de la viande artificielle, en gros. Mais c'est souvent en fait. Mais ça vous change quand même parce que ça a meilleur goût que juste les compléments alimentaires que vous êtes obligé souvent vous taper quand vous voyagez ou autre. Parce que il y a besoin de beaucoup ça. Clyde, justement, tu bois beaucoup, tu fais attention. J'ai bu le premier verre qu'on nous a servi, mais pour le reste, je demande. T'es resté au soft si on a. Oui, bien sûr. Voilà, on sait jamais, hein, si on picole que, on fait que picoler dans son vaisseau, ce qui expliquerait bien des choses, hein, notamment les pilotes. en face de tes deux médecins, c'est vrai que tu as peut-être évité de te mettre pilable. Non, mais globalement, Clyde picole quasiment pas, justement, parce que, médicamentation oblige. Il est très respectueux des consignes de ses médecins, donc il ne picole quasiment pas. Et je surveille aussi. Mais vu que j'ai le regard qui fait souvent le passage Raven, Karine, assez régulier. Et il tend la main vers la bouteille de vin, t'as Raven qui regarde, hop, et il va vers la carafe d'eau. Il a le droit à sourire. Ce qui m'intéresse aussi, tiens, c'est que je l'appelle la rouquine parce que mon perso ne retient pas les noms. Quelle est l'attitude qu'elle a eue pendant l'échange? Elle est restée un peu comme Ethan, assez professionnelle en fait. Mais c'est vrai que
Tu l'as senti peut-être un peu plus tendu, tu vois, quand t'as émis quelques réserves par rapport à l'UPF, machin, truc et autres. Hein, tu sens que, voilà, t'es un peu plus formaté, tu vois, côté soldat ou autre. Hein, Oui, je suis pas encore assez de verre pour que je me lève en mode « Ouais, l'UPF, c'est de la merde !» un peu dans le cul, un petit peu plus, on va rigoler. Et c'est vrai que tu vois qu'elle est un peu tiquée quand, parce que, voilà, peut-être que même pour eux, finalement, critiquer l'UPF, c'est... ça ne se fait pas. Ouais, c'est tout le temps en plus, donc... C'est ça, alors ils font pas partie vraiment du contingent militaire, mais ils ont reçu une formation de soldats. C'est un service un peu particulier par rapport à la protection, justement, de l'ambassadeur. Le repas se... continue, comme je vous disais auparavant. Et il y a une petite sonnerie qui sonne, en fait. Hein, donc c'est les communicateurs de la salle, hein, qui commencent à sonner. Hein, la musique, du coup, qui se baisse de manière automatique. Hein, information, vous entendez la voix, justement, de l'amiral Hackett. Information à toutes les personnes du Shenyang. Nous approchons de W51, oh merde, ainsi que de sa nébuleuse. Et vous voyez, l'ambassadeur qui se lève, je pense que ce sera un spectacle magnifique. Allons au niveau de la baie pour pouvoir observer ceci. Et donc, vous approchez tous des baies, en fait, hein, alors que vous approchez de la nébuleuse W51. Vous arrivez au niveau de cette... c'est un nuage de particules, hein, constant. Ce qui a fait que pendant longtemps, on n'avait pas découvert, hein, cette station Omega, hein, qui était au cœur. En fait, c'était un explorateur, hein, pour l'histoire, qui avait trouvé la station, hein, au cœur de cette nébuleuse. Hein. Et donc, le Shenyang, hein, accompagné de sa... De son escorte, hein, qui commence à pénétrer dans cette nébuleuse, hein, alors que vous voyez apparaître devant vous un spectacle énorme, une station, oh, en fait, qui recouvre entièrement une étoile. C'est, pour ceux qui s'y connaissent un peu, en fait, c'est une sphère de Dyson. Et donc, la station, hein, qui... fait plusieurs dizaines de kilomètres, hein, chaque bras, hein, fait environ une cinquantaine de kilomètres, hein, qui recouvre entièrement la station, qui englobe totalement l'étoile, hein, voilà, hein, son diamètre est d'environ de 450 millions de kilomètres, donc environ 3 unités astronomiques, hein, donc unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Chaque anneau est large et haut de 1000 kilomètres, et c'est vraiment un spectacle impressionnant qui apparaît devant vous, hein, et vous voyez différents vaisseaux aussi tout autour de la station, des vaisseaux que vous n'avez jamais vus, en fait, plusieurs, hein, qui sont tout autour de la station, hein, des architectures que vous n'aviez jamais vues, hein, sûrement appartenant aux xénomorphes, hein, alors que vous approchez de la station Omega. Et eh bien, j'avoue que c'est impressionnant, dit l'ambassadeur. C'est tous un peu bouche bée. C'est à la fois exaltant et effrayant. C'est énorme. Mais je ne pensais pas que une race serait capable de construire une telle station. Bien que on ne reconnaît pas les vaisseaux, j'arrive à voir s'il y a des armes sur les vaisseaux et ton pilote. Genre, j'aurais me dire, ça c'est des armes, ou ça c'est un équipement, ça c'est... A priori, certains, oui. Certains ont l'air armés. Mais voire organiques. Tout comme votre... Mais oui, certains ont même un aspect assez organique, hein, finalement. Hein, c'est assez particulier. Hein, Moi, je suis... Enfin, Yego est impressionné, mais vite rattrapé quand je vois qu'il y a des armes dessus par rapport à ce qu'il pense. Par l'anxiété. Voilà, il est un peu moins chaud, quoi. Ouais. Ça, la taille des trucs et tout, des armes et tout. Donc... Eh bien, je crois qu'il est temps d'aller nous préparer pour notre premier contact. Dans combien de temps serons-nous là-bas?
Je pense qu'il y a encore un petit peu de quelques temps avant d'y arriver, et il me semble que le Shenyang sera incapable de se mettre dans une baie d'amarrage. Nous allons devoir prendre des navettes de transport, des vaisseaux un peu plus petits, afin de pouvoir nous amarrer à la station, si j'ai bien compris. Messieurs, dames, veuillez m'excuser de prendre congé aussi rapidement, mais je vais devoir aller me préparer. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé cette soirée avec moi. Monsieur Kagawa, j'ai été ravi d'échanger notre point de vue ensemble. Oui, le vin était bon. Et j'espère bientôt vous revoir. Et donc, l'ambassadeur qui s'en va. Quand il a une dizaine de mètres, mais devant tout le monde, je fais putain. Non, je réagis pas, je suis tétanisé devant le spectacle. C'est assez impressionnant hein, pour toi. Pour toi qui as des connaissances justement technologiques, hein, tu te demandes comment une telle construction est juste possible. Je me complètement phasé, je suis plongé dans l'observation. C'est un peu pareil, limite, j'ai vu mon ambassadeur partir, j'ai pas calculé, genre... Wow. C'est ça, toi t'es resté là j'ai un même peu, pas remarqué que j'étais parti. Hein, Une fois qu'on est sur cette scène où on approche, évidemment, comme j'ai dit, hein, ça m'intéresse aussi, ça m'interpelle, mais je suis plus anxieux peut-être que les autres, parce que j'ai... Ouais, je vois les vaisseaux, Yego, je pense que on va aller baie d'amarrage pour préparer les transports. Ouais, est-ce qu'il y en a qui bossent quand même hein. Quand j'entends sa voix, excusez-moi, pilote en chef. Oui, Michael. Est-ce que je pourrais vous voir plus tard, avant le départ? Oui. Je vous remercie. Il veut peut-être aussi te poser des questions de comment ça se pilote, comme l'ambassadeur, on sait pas. Bah, parce que celui-là, savoir piloter. Allez, viens, on y va, Diego. Allez. Je leur fais juste un peu avec les deux doigts, comme ça, vous autres. C'est ça, il vous fait un petit salut de la main, et puis vous partez vers la baie d'amarrage. Et dès qu'on s'est allé, je critique tout ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Je dis, putain, il est casse-couille, il est là, tu vois. Moi, vous voyez un truc bizarre, c'est que je fais des mouvements avec ma main droite, comme si je pianotais quelque chose, comme si je faisais un peu de musique en voyant le spectacle. Voilà, genre inspiré, j'essaye de produire des notes de musique dans ma tête en voyant le moment pour créer un son qui m'inspire. Personnellement, je suis juste en train de regarder l'extérieur et j'ai la photo de ma femme dans ma main. Instinctivement, je l'ai sortie. Docteur Chakwas qui sort un petit peu de sa torpeur, hein, c'est un spectacle assez impressionnant. Docteur Matsumoto, pour rester là, il n'y a pas de souci, je vais faire les préparatifs pour aller sur la station. Je vais voir, parce que je vais peut-être rester ici et vous irez là-bas. Vous ne venez pas ? Eh bien, il faut que nous gardions aussi une infirmerie sur le Shenyang. Donc, j'avais pensé à vous envoyer là-bas. Je suis sûr que vous êtes parfaitement capable de vous en sortir toute seule. D'accord. Et donc, je ferai de mon mieux. Vous salue, hein, messieurs, dames, et prends congé de vous. Gossim, Ethan, on va se préparer. On va accompagner l'ambassadeur. Je prends une forte inspiration et puis j'y vais. Et vous salue, hein, salut militaire. Et elle prend congé, donc vous vous laissant, bah, finalement, Alcyone, Raven, Clyde, avec Greg, qui est toujours là, lui. Hein, et qui casse un peu le silence, justement. Elle fait mais comment ils ont construit ça? Nous allons avoir du travail pour découvrir tout cela. Ouais, j'aimerais bien discuter avec les ingénieurs. Hein. Ce sera peut-être l'occasion. C'était pour nous de la science-fiction de faire une sphère de Dyson. Mais j'avoue que c'est un bond technologique que l'humanité n'était pas encore prête. Toute seule, en tout cas, à y accéder. Je pense que ce contact va vraiment être l'occasion d'avancer technologiquement. Oui. Et voir à quel point cela va nous impacter. Ah, l'avenir nous le dira.
Bon, je vais aller faire un tour, Clyde. Je profite de ta soirée. Et je vais aller voir si les navettes, tout est OK. Et donc, Greg, hein, qui salue de la tête et vous laisse tous les trois. Je sors, finis par sortir de ma torpeur, qui reste Raven, si j'ai bien suivi. Je vous ai salué, hein, bien sûr. Alcyon qui vient de partir, a priori. C'est ça, t'es seul avec Raven, en fait. Ouh. Docteur, ils sont tous partis ? Ils n'existent pas. A priori. Mais le pire, c'est ça. Non, mais ils sont dans ta tête, il n'y a personne. Greg. Vous sentez bien ? Greg. Bah, j'étais. Je montre un peu la scène. C'est fou. Enfin, je m'attendais pas à un truc aussi. Il n'y a même plus de mots pour décrire ça. C'est improbable, c'est impossible. Impressionnant. Greg, où est-ce qu'il est parti ? L'ingénieur, Greg. Je sais pas, j'avoue, j'écoutais pas trop. Il a dû partir. Non, j'étais absorbé par la vision, moi aussi, hein. Avec ce groupe, on après, vous avez des... T'es communicateur pour l'appeler, si jamais... Là, je suis un peu dans le contre-coup un peu de cette découverte immesurable et de l'échec critique que je me suis rôlé juste avant. je vais voir, enfin, faut que je me prépare. Et je repars un peu, pas en train de courir, mais limite voilà, à marche rapide. Je le suis des yeux. Je vais d'abord passer chercher m'habiller, enfin me changer plutôt, mettre ma combinaison de travail, donc parce que je suis toujours plus à l'aise dedans, sans même mettre mon bleu, je mets juste la combinaison et je me mets après. Une fois que je me serai habillé, j'appellerai du coup Greg pour lui demander du coup est-ce que je dois le retrouver, enfin qu'il fasse un brief de ce qui se passe. Ça marche. Donc, toi, de ton côté, hein, je retourne à l'infirmerie. Diego, t'arrives avec Michael au niveau de la baie d'amarrage, hein, très grande baie, hein, avec pas mal de vaisseaux, des petits vaisseaux de transport, hein, non armés, qui permettent juste, en fin de compte, d'accéder à des stations ou à pouvoir se poser sur une planète, finalement. Et donc. Commence à voir, commence à les passer en revue et ainsi de suite. Hein. Du coup, Diego, toi t'en prendras une, moi j'en prendrai une. Je pense que on va pas y aller à beaucoup, hein, la première fois. J'imagine que l'ambassadeur va être du voyage, évidemment. Bah, il veut pas être avec la populace. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on va déjà établir le contact. Et une fois que on sait, on pourra s'installer sur la station. Ouais. Là, il y aura des transports qui vont être faits de manière régulière afin de débarquer tout le monde. Et c'est nous qu'on doit assurer le transport de tout le monde après ? Non, bah forcément. Il y en je a d'autres. Pas. Non, pas que ça va foutre. Ouais, non, t'inquiète. Ouais, il y a plus de 1000 passagers, on peut s'amuser. Ouais. Non, mais ça, il y en a d'autres qui vont faire ça. Et puis, des systèmes automatiques. Une fois qu'on aura fait le premier chemin, on va pouvoir établir finalement des points relais afin de faire du pilotage automatique. Ouais, ok. Bah écoute, ouais, j'en prendrai une. Puis... Et donc, vous inspectez chacun votre station. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, je fais bien gaffe quand même, je regarde ma tosse. Ouais, bah c'est... Tu fais un check-up de la navette. Donc toi Ethan, tu retournes à ta cabine, hein, qui est adjacente à celle de ta chef, hein. Et donc vous vous installez, enfin vous préparez. Ouais, c'est ça. Vous équipez, hein. Donc vous voyez qu'elle a mis un uniforme, hein.
On ne met pas de combinaison intraveiculaire ou quoi que ce soit. On reste. Non, c'est pas nécessaire. Ouais. Tout ce qui est armement, j'y vais à poil. Quoi. Pistolet laser, ça devrait suffire. Je prends une grenade sonique quand même. Ouais, ok, ça marche. Sur la chaussette. Je peux même apprendre ton gros joujou, c'est nul. Un jour peut-être. De ton côté, Alcyone, hein, toi tu m'avais dit que tu... Outre le petit contact que j'ai utilisé pour cette journée, oui. je me prépare, je prépare ma documentation, etc., les étapes, vraiment que tout se passe bien, les personnes qui seront à bord pour vérifier que tout soit nickel pour l'ambassadeur, qu'il n'a rien à faire juste à poser ses pieds, et ensuite à parler lorsqu'il sera dans son premier contact, et moi, proche de lui, quoi. Ok. Ça marche. Clyde, toi, donc, après t'être changé, tu retrouves Greg, hein, qui est pareil, au niveau de la baie d'amarrage, qui est en train de faire le check-up, hein, parce qu'il y a déjà les premières personnes qui vont y aller, pour établir le contact, faire le conseil, et forcément, il y a des vivres qui vont venir, des médicaments, ce genre de choses, hein, qui vont également un peu d'équipement, finalement, qui va suivre, hein, donc vous êtes en train de faire... Il est en train de faire le check-up de tout ça. Ah, Clyde, je t'avais dit de prendre ta soirée et... Et ma casquette. Ah, j'ai pas dû vous entendre. Bon, écoute... Tant que je suis là. Pas grave. Écoute, on va... Bah écoute, aide-moi, on va charger tout ça, et du coup, tira en bas, tira sur la station. C'est vrai ? Ouais. Ok, super, j'arrive. Du coup, je m'attelle à la tâche, hein, de faire des vérifications de visage, de lui filer un coup de main chargé. Donc j'aide dans la mesure de mes moyens, mais pour porter les charges, mais... Je m'attelle plus aux vérifications, parce que c'est plutôt mon domaine. Raven, toi de ton côté, que fais-tu ? Je retourne vers l'infirmerie, voir si je peux être utile avant de débarquer. Quand t'arrives à l'infirmerie, hein, t'as Docteur Chakwas qui te dit « Docteur, prenez votre équipement et allez vérifier, vous aurez de l'équipement médical qui va transiter avec vous. » Pour le premier débarquement, comme ça vous pourrez peut-être le vérifier au niveau de la baie d'amarrage. Très bien, j'y vais. Et faites tous ces préparatifs, hein, et au bout de quelques heures, vous vous retrouvez tous dans la baie d'amarrage, prêts à grimper justement dans les navettes, hein, qui vous mènent vers la station Omega. Une des navettes est pilotée par Michael, l'autre par Yego, et hasard faisant les choses, hein, Alcyone, Raven, Clyde et Tan, vous êtes dans la navette que pilote Yego. Oh merde. Je les vois, enfin, je sais pas de quelle manière je peux avoir une vue sur l'arrière. Genre, il y a un écran où je me retourne ou... Ouais, tu peux te retourner, hein, pour ça. Ah, je mets derrière, au-dessus de mon épaule, je fais « Ah bah tiens, comme c'est bien fait. » Merde. Bon, tout le monde met sa ceinture. Hein, pas de grabuge, on se lève pas pendant le trajet, hein, je vous raconte pas tous les conneries habituelles, vous les connaissez, j'imagine. Et je commence à tic appuyer sur des boutons, des trucs. Gardez le moteur en état. Je m'assois et je fais un grand sourire à Raven. J'ai un médecin avec moi. Tout va bien se passer. C'est presque l'idée, hein, qui transparaît. N'en faites pas, ça va bien se passer, Clyde. Bon, je m'inquiète pas. T'entends la... Salle de contrôle de la baie d'amarrage, hein, navette UT-47, navette UT-47, donc c'est toi, Diego. Navette UT-45, base de tour de contrôle. Oui, UT-47, vous avez l'autorisation de quitter la baie d'amarrage, et bon voyage. Reçu l'ordre de contrôle, peut-être à bientôt. Et je... la manette pour des... Voilà, donc quitter finalement la pesanteur artificielle du Shenyang, hein,
Pour ceux qui ont peut-être un peu moins l'habitude, hein, je pense à Alcyon, Raven, hein, c'est vrai que voilà, c'est vous le ressentez, hein, l'estomac qui remonte un petit peu, hein, au moment où finalement vous retrouvez dans cette navette, hein, assez petite, hein, peut-être trop petite. Un petit peu claustrophobe, hein, pour vous, parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de ça. Contrairement à d'autres. Est-ce que je vois le plus à l'aise? Oui. Est-ce que je vois le côté mal à l'aise de certaines personnes? Je pense qu'elles s'en cachent pas plus que ça. Donc oui, tu vois crisper un petit peu sur les accoudoirs de leur siège. Comptez jusqu'à 5. Inspirez. Recomptez jusqu'à 5 et expirez. Tout va bien se passer. Je fais ce la qu'il navette dit. Qui commence à à doucement s'approcher de la station Omega. Et au bout d'un moment, en fin de compte, tu entends une voix, tu as l'impression, en tout cas, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Et le temps que finalement le traducteur se mette en route, hein, au niveau de la navette, hein, et tu entends navette UT-47, autorisation B d'amarrage numéro 3. Reçu. Et donc, arrivez dans une immense baie d'amarrage, hein. Vous voyez l'autre navette, hein, qui est à côté, hein, alors que vous arrivez au niveau de la station Omega. C'est immense à l'intérieur, hein. Et vous voyez à l'arrière de la baie d'amarrage l'espace, hein, avec le Shenyang un peu plus loin, les différents vaisseaux de l'escorte qui sont derrière. Alors que vous arrivez dans cette immense baie d'amarrage avec des vaisseaux de technologie. Et vous voyez, oui, certains ont un aspect un petit peu organique comme ça. Hein. C'est assez étrange, mais en même temps assez grisant de pouvoir les découvrir d'aussi proche. Hein. Vous ouvrez ensuite les portes des navettes, de l'autre navette. Avant qu'on descende, je vais juste leur faire un... Bon, on n'a pas la même opinion sur ce qu'on va trouver ici, ou peu importe. Mais faites quand même gaffe à vous, là. Est-ce qu'on peut voir ça plus tard, monsieur Kagawa, s'il vous plaît? Dis-je, serré sur mon siège. Il y a rien à voir plus tard, c'est juste que je vous dis de faire gaffe à vous, c'est tout. Oui, merci. À peine posé, moi, dès que les portes sont ouvertes, je descends devant. Il vomit. je vois les autres vaisseaux justement autour et je commence à les détailler les uns après les autres, les yeux grands ouverts, comme un gamin dans un magasin de jouets en fait. C'est des trucs que je connais pas trop bien. Et approchant finalement de votre vaisseau, voyez personne qui s'approche en fait, hein, et qui vous fait une révérence. Et au départ, elle parle, et vous ne comprenez pas de suite. Et une fois que les traducteurs, hein, font leur effet, elle fait « Bienvenue sur Omega, je suis Mieler, et je suis là pour vous guider dans Omega. » L'ambassadeur, hein, « Bonjour, ambassadeur SM, je suis enchanté de vous... de faire votre connaissance. Ambassadeur, je vais vous amener jusqu'au conseil, si vous voulez bien tous me suivre. » Et qu'elle parle de manière très posée, très calme. Ses gestes sont très lents. Vous avancez dans une coursive, hein, assez éclairée, que vous avancez. Hein, ça résonne un petit peu. Alors, vous ne croisez personne d'autre, peut-être est-ce voulu, justement, hein, pour pas brusquer les choses ou autre, hein, jusqu'à arriver dans une immense pièce éclairée, lumière assez pâle, mais malgré tout, vous voyez à travers ces baies l'étoile qui entoure finalement la station, enfin qui est au milieu de la station Omega, et quatre personnes qui sont en face, qui ont l'air finalement de vous attendre. Hein. Et vous voyez tous les quatre, hein, Mieler qui arrive, hein,
Et vous voyez, dans un premier temps, celui-ci qui s'avance commence à parler. Et à nouveau, hein, au départ, vous ne comprenez pas le temps que les traducteurs font leur effet. Et... Je suis Kogri Gol. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Omega. L'ambassadeur qui s'avance, hein, il fait ambassadeur SM, sommes ravis. Je vous présente, et donc montre personne là, hein, Chimichara Atrizir, représentant de la race des Libidis. Puis il se tourne vers... Vous voyez, ça vous surprend parce que ça a vraiment l'air d'être un méca, hein, donc vous êtes assez surpris. Ahomé Vugli, représentant de la race des Knis, se tourne vers la troisième personne. Je vous présente Ofrekut Itrivn, représentant de la race des Timbris, et moi-même, représentant la race Agon. J'ai l'air de porter un intérêt plus grand au Agon. Je suis plutôt absorbé par l'observation du Knis. Alors tu vois, oui, le Knis, hein, semble assez bizarre. Et vous voyez qu'il y a une ouverture qui s'ouvre, hein, et vous voyez à l'intérieur une pierre, en fait, comme un cristal, en fait, à l'intérieur. Ah, super. Et vous comprenez qu'en fait, c'est le cristal. Le xénomorphe. Ah ouais, excusez-moi. Moi je bug, hein. Depuis le début j'étais là, ouais, machin, et là je suis en mode, je sais pas, je sais plus quoi dire, Diego, il est là, ouais, ok. Incroyable. Et oui, vous êtes tous assez subjugués de rencontrer ces personnes, et je vous propose, pour vous mettre de vos émotions, de faire une petite pause. Ah ouais.